donc en triangle jusqu'au bout, tu le vois d'ailleurs. Là j'en avais remplacé 3 parce qu'on les avait cassés en montant avec la mini pelle pour aller jusqu'à là-bas. Et voilà, et sinon tu vois l'ancien et le nouveau. Et là où j'avais fait toute cette créa. Là, je sais pas si tu t'en souviens de cette petite marche en décalé comme ça. Et la grande terrasse. Tu vois, cette grande terrasse que j'avais fait, qui est d'ailleurs qui est bien restée. Le client il a lasuré déjà 2 fois et tu vois, ça a bien gardé ça. Mais vraiment je suis content, tu vois. Elle est vraiment bien restée. Et là c'était les marches que j'avais fait avec le petit truc. Donc le client en fait il a voulu vraiment que ce soit moi. Et tu vois, j'avais fait tout. Toutes les coupes à 45. Et là il y avait un petit bandeau à LED. Je sais pas si tu t'en souviens. Et là les petites marches pour aller au local. Enfin, tout est bien resté, je suis content, presque rien n'est mort, même en plante. Mais vraiment, le résultat, c'est toujours sympa, tu vois, tout est à fleur. Rien à bouger, rien à travailler. Et ça fait déjà presque 3 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Donc voilà, bon là on est en plein hiver, mais sinon vraiment l'été, tout a fleuri, tout est sympa. Donc voilà, tu vois. Donc du coup, le client il voulait que ce soit ben, absolument moi qui réalise donc le projet. Tu vois, donc on va tout détruire. Donc bon, je vais pas faire la méthode sauvage. On va tout commencer à démonter les tuiles, les trucs, les évrites. On va faire un truc propre, faire sauter là. Et après, on refera des fondations un peu plus loin. Et tu vois, donc là, en fait, tout là, ça va se passer là. Là, je vais essayer de récupérer la glycine. Au moins, je la remettrai. Parce que là, en fait, ça va être fermé de là jusqu'à là. Et là, je vais mettre un poteau là, un poteau là. Et là, la glycine, j'aimerais bien la mettre là pour que ça couvre un peu. Parce que là, ça va être ouvert. On fait juste un appenti pour une voiture là. Et là, un garage fermé. Là, on va mettre 2 fenêtres, une porte. Le garage est là, une petite porte de service. Non, ça va être bien. Tu vois. Bon, de toute façon, je te montre tout. Et... allez. Voilà, tu vois, première étape. Donc, on va commencer à enlever les tuiles. Voilà. Donc, on va toutes les décoller et après enlever les évrites. Je reviendrai. Voilà. Encore là, ça va. Ouais, ça décolle bien. Il y a un peu du monde en dessous à chaque fois. Et tu vois, je viendrai tout faire sauter, tout les ranger. Et après, quand je reviendrai faire mon truc, ma PST et tout, ben je reviendrai. Parce que bon, les PST, je peux pas les garder. Parce que tu vois, il y en a où c'est pris à ras, où c'est, enfin, ça tombera jamais pareil entre mes emplacements. Mais les tuiles, je sais pas, je vais regarder. Comme c'est des tuiles un peu vieillies, où je les garde, où j'en mets des neuves, je regarde. Mais en tout cas, tu vois, je vais toutes les faire sauter pour arriver aux évrites comme ça ou aux PST, souvent comment vous appelez. Et après je viendrai faire sauter ça et on commencera à casser. Voilà. Il y a un petit nid et le nombre de nids de guêpes, heureusement que c'est l'hiver, hein, parce que tu vois, moi je te jure, il y en avait, regarde, il y en a une là, il y en a un paquet de nids là. Heureusement que c'est l'hiver, sinon je crois que je me serais fait piquer au moins 500 fois. Voilà, tu vois, et là après on va sortir, on va les ranger, et là je vais commencer à dévisser tout les PST, tu vois. Là tu vois, je peux pas les... moi je trouve que c'est un peu juste là, le recouvrement je préfère le faire là, parce que de temps en temps quand tu serres ça a tendance à se fendre un peu, donc moi du coup je peux pas les récupérer, et puis même ça va pas être la même longueur, ça va pas être, tu vois, pour tomber encore pile poil au truc, enfin, c'est vraiment compliqué. Alors je vais tout virer et on va tout repartir sur du neuf. Au moins on est sûr qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de problème. Parce que là, je sais pas, mais... même là, tu vois, il y en a qui sont carrément... je sais pas s'ils ont bougé ou pas, mais lui, il n'est pas serré. Il y en a quelques-uns qui sont carrément pas du tout serrés. Je sais pas comment, heureusement qu'il y avait des tuiles.
je vais tout casser avec la mini pelle. Je vais essayer de pas le faire tomber sur le nouveau stagiaire qui est là. Et puis voilà, hein. Là, je vais tout casser, après on va trier. Mais bon, vu comme ça tient déjà guère, hein, je vais pas avoir trop de mal. Mais bon, démolir, c'est toujours la partie qui me plaît. Allez. J'agrandis des deux côtés, là tu vois je suis en train de décaisser pour attraper l'ancienne dalle et après je viendrai de là jusqu'à là et là faire une fondation donc tout le long jusqu'à là-bas, là rattraper et là pareil revenir. Là on va l'agrandir de je pense 1 mètre de chaque côté et après donc tout le long là-bas, un peu plus gagner là-bas. Pareil, donc là tu vois j'ai commencé à tracer, bon ça vient jusqu'à là, c'est juste pour voir où ça allait, donc tu vois ça viendra jusqu'à la roue du camion et on va agrandir de tout ça en plus tu vois, hein. Donc là après je viendrai faire ma fondation avec mes remontées et là agrandir la dalle là, là et là-bas. Là j'ai tout nettoyé et là tu vois rien que déjà là j'ai sorti un camion, là il y en a encore un et là il y en a un, il y a trois camions rien que là. Donc tu vois ça en fait quand même corde à terre à sortir. Et voilà. Mais déjà là, ça a déjà bien changé, ça fait plus clean. On va faire les fondations la deuxième partie. Demain on va faire toutes les fondations là, de là-bas et de là-bas jusqu'à là-bas. Donc là tu vois donc ce côté c'est fermé jusqu'à là. Et après là donc je continue ma fondation et il va un pilier là et là ça fera juste un appentis là fermé. Là pour l'instant non, je crois que le client il veut pas. On sera ouvert là et là et là où il pourra rentrer sa voiture, la sortir là comme ça. Ça fera une voiture là et une voiture là fermée. Et après avec un toit et une pente de là jusqu'à là. Voilà. Allez. Bon, ben, on va aller décharger la terre là-bas et on reviendra demain. Alors, en tout cas, ça a déjà bien avancé.